10%, c'est le poids de l'industrie dans le PIB en France, quand la moyenne européenne est à 20%. Nous sommes le pays le plus désindustrialisé de l'Union européenne. Heureusement, nos gouvernants ont pris conscience que pour avoir une France forte et souveraine, il fallait une industrie forte, une industrie décarbonée, une industrie ancrée dans les territoires. Pour avoir une industrie forte, il faut une ingénierie française forte. Les entreprises d'ingénierie industrielle française accompagnent déjà le tissu industriel. En modernisant les infrastructures et installations existantes, en les rendant plus sûres, plus sobres, en les décarbonant. Nous travaillons aussi avec les nouvelles filières comme par exemple les batteries, l'hydrogène, les réacteurs modulaires, la chimie biosourcée, le recyclage des plastiques. Nous devons sortir de l'ombre, nous devons faire savoir au plus grand nombre que sans nous, sans l'ingénierie, ces projets ne verraient pas le jour. Le plan France 2030 Accompagne déjà de nombreux investissements de cette nouvelle donne industrielle et nous devons maintenant accélérer. Syntac Ingénierie et ses adhérents se dotent d'une feuille de route pour les cinq prochaines années. Une des actions consiste à réaliser une étude sur les leviers de performance des sociétés d'ingénierie afin de fournir une vision claire sur ce qu'apportent nos sociétés d'ingénierie à nos clients. Nous avons commencé par le nucléaire et nous allons poursuivre sur d'autres secteurs industriels. Vous l'avez compris, les enjeux sont importants. Les générations actuelles ont la chance de connaître une période d'investissement inédite dans tous nos territoires. Nous embarquons tous les jeunes, tous les talents, afin de construire un autre monde. Alors où on nous parle de fabriquer en France, il serait absurde de concevoir en dehors de nos territoires. Société d'ingénierie, rejoignez-nous dans cette renaissance industrielle.